Je m'appelle Carlo Camarata, je suis euh, auteur sérigraphe, artiste sérigraphe. J'ai découvert la sérigraphie via l'intermédiaire de mon père, qui était d'horreur sur bois. Il encadrait des, des toiles de maître. Et un soir, il est revenu avec un dénu bleu de Matisse, euh, qui était euh, reproduit en sérigraphie. Et j'ai trouvé cette pièce très belle. C'était mon premier rapport à la sérigraphie. Je suis également auteur photographe, euh, avec euh, des projets souvent très sombres. Et je retrouve dans la densité des couleurs en sérigraphie euh, la profondeur des noirs que j'utilise dans, euh, dans mon médium photographique, dans mes projets photographiques. La sérigraphie, c'est une technique ancestrale qui utilise un principe enfantin, le principe du pochoir. On va fabriquer un pochoir, on va faire passer de l'encre à travers ce pochoir et ça va créer le, le visuel que l'on veut reproduire, imprimer. Pour créer ce pochoir, on va utiliser un certain nombre de techniques qui, elles, sont beaucoup plus complexes, surtout si on veut gagner en qualité. On va utiliser un système d'écran sur lequel on va mettre un, un produit photosensible. On va fabriquer à côté de ça ce qu'on appelle un typon. C'est ni plus ni moins une, une impression sur un, un film transparent, une impression du, du visuel que l'on veut imprimer. Et on va transférer ce typon sur notre écran. Qui est enduit d'un produit photosensible, en y injectant de la lumière, en, y, en le faisant durcir ou pas avec la lumière, le visuel va apparaître sur l'écran. Et après, on va se servir de cet écran pour faire passer de l'encre à travers. En dessous, il y aura un support. Et le visuel, comme par magie, va s'imprimer sur le support que l'on imprime. Bien sûr, il y a la sérigraphie monochrome que j'aime beaucoup parce qu'elle demande un gros travail d'interprétation sur le visuel, si on veut quelque chose qui va au-delà de la reproduction, mais plus d'une interprétation artistique. Et il y a ce domaine passionnant que sont les couleurs en sérigraphie. C'est-à-dire qu'on peut superposer les couches en sérigraphie pour petit à petit arriver à un visuel avec un certain, avec un certain nombre de nuances de couleurs qui va représenter... L'œuvre que l'on veut euh, euh, travailler, réaliser. La technique la plus pratiquée en sérigraphie pour la représentation de couleurs, c'est le système euh, en quadrichromie, où on va utiliser du cyan, du magenta, du jaune et du noir pour représenter un certain nombre de nuances de couleurs. C'est la technique qui est utilisée en, imprim en imprimerie offset traditionnelle. J'aime bien aller au-delà, fabriquer mes couleurs et puis prendre le contre-pied de cette quadrichromie en réalisant, par exemple, des, des bichromies, des trichromies en partant d'images couleur au noir et blanc. Je me souviens d'une image, euh, d'une photo que j'avais prise de mon fils, un portrait que j'ai pris de mon fils, euh, qui était à l'origine en noir et blanc et qui était difficile à, à réinterpréter en, en couleur. J'ai fait le parti de, de passer en bichromie, ou ce que j'appelle de la Fausse bichromie, c'est un portrait qui est en rouge et noir, qui est très joli avec un certain nombre de nuances de rouge que j'ai euh, fabriquées au préalable et du noir. Ça permet de raconter d'autres histoires et d'interpréter les, les, les émotions euh, qui sont là lors de la, de la création de, de, du visuel. J'ai sérigraphié tout type de visuel, du paysage jusqu'à l'objet en passant par le nu. Mais depuis quelques temps, j'ai une affection toute particulière pour le portrait parce que euh, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu en termes d'émotion et de créativité. Alors j'ai complètement changé mon, mon processus de travail. Je débute toujours par une création sur euh, l'ordinateur via un logiciel de traitement avec cependant une projection sur les couleurs qu'on va, qu va pouvoir donner sur le, sur le papier. Quand tu es face à des couleurs RVB sur euh, ton écran d'ordinateur, ben, Il va falloir faire le, le lien avec la matière, l'encre. Donc, le RVB, c'est l'espace le, le, colorimétrique sur lequel on pourrait travailler sur, euh, sur Photoshop, Lightroom ou ce genre de, de logiciel. Moi, je travaille avec des encres, je travaille avec de la matière, je travaille avec des encres qui peuvent être différentes. Tu peux avoir un, un cyan ou un magenta qui sont différents d'un fabricant à, à un autre. Il faut connaître, il faut connaître ton, ton processus de travail et j'en suis venu petit à petit à créer mes encres. Il y a un bleu sépia, il y a un, cépia, y a un, un rouge sépia, il y a ce mélange des couleurs qui va m'amener petit à petit au résultat colorimétrique et à l'émotion que je veux transmettre en, en créant ce, cette sérigraphie. Pourquoi sépia Parce que le nom de l'entreprise que j'ai créée pour pratiquer la sérigraphie s'appelle Studio Sepia. Le bleu sépia, par exemple, a été créé dans le cadre de la réalisation du portrait de Cali. Je cherchais un bleu très particulier pour pouvoir réaliser cette sérigraphie. Et il y a toujours un travail de recherche permanent sur ces couleurs qui va différer, évoluer d'une sérigraphie à une autre. Le bleu sépia a commencé à naître avec une sérigraphie de Frédéric Martin. Le bleu qui avait été créé convient parfaitement à cette sérigraphie. Pour Calim, il fallait quelque chose de, 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 de plus dense pour, euh, pour pouvoir répondre aux, aux touches de rouge qu'il y avait sur les sérigraphies. Une fois que tu as établi tout ton processus de, de travail, de, depuis l'ordinateur jusqu'à la création de tes écrans et de tes pochoirs sur les écrans, il y a toujours euh, ce moment euh, magique, mais aussi stressant, de voir se superposer les couches de couleurs. Que tu as créé euh, pour faire apparaître le visuel. Il y a parfois des surprises, des accidents. Alors, il y a des accidents que j'aime beaucoup en sérigraphie, mais il y en a d'autres que j'aime moins. Euh, parfois, ça pose quelques limites. Voilà un, un bleu et un rouge superposés. Euh, quelle que soit la densité du bleu et du rouge, tu auras toujours une touche de violet. Je reviens au, au portrait de Kali par exemple. Il y avait du, une espèce de violet que je ne voulais pas voir apparaître. Donc sur les tests, j'avais un, un portrait avec une petite dominante violette. Euh, C'était joli, mais c'est n'est pas ce que je voulais. J'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. J'ai fini, euh, fini par me dire qu'il fallait que je, je termine ce portrait à la main. Qu'il fallait que je me concentre sur, mon, sur mes nuances de bleu, créer ces différentes nuances de bleu ajouter ma, mon noir, mais surtout terminer à la main ce portrait pour pouvoir euh, arriver au résultat escompté. Je travaille essentiellement aujourd'hui sur la production de sérigraphies d'art en pièces uniques, et j'essaie de leur donner une rareté, une exception, une unicité notamment en travaillant pour chaque sérigraphie euh, euh, la colorimétrie, fabrication des encres particulières pour chaque sérigraphie, cette recherche de l'accident euh, qui va leur donner euh, un caractère d'exception, et cette euh, finition à la main euh, qui peut être effectivement un, un ajout euh, sur le papier d'encre. Euh, de peinture ou de bien d'autres matières. Alors, par exemple sur la dernière sérigraphie, on en revient toujours à son passé. Je fais le lien avec mon, mon papa qui était d'horreur sur bois. Euh, J'y ai ajouté de la, de la feuille d'or à 22 carats, euh, comme lui la travaillait, pour euh, donner cette, euh, cette émotion encore plus rare que l'on pourrait retrouver sur sur une œuvre que, que l'on souhaite acquérir. Alors il y a un autre grand moment que j'aime beaucoup euh, dans la création d'une sérigraphie, c'est la seconde vie qu'elle va avoir. C'est-à-dire qu'il y, y a deux instants magiques pour moi. Il y a le moment de la signature, où euh, l'artiste, que ce soit moi ou l'artiste pour lequel je travaille, va venir signer son œuvre, il va venir l'assumer. C'est un bout de papier au début, et puis il lui donne vie. Simplement en posant sa signature euh, euh, en bas de page, un peu comme un accouchement. Et c'est là où petit à petit on se détache de cette œuvre, on assume les émotions qu'on qu y a données. Et si je devais faire une comparaison, un petit peu comme euh, ce moment où tu vas couper le cordon ombilical. Il euh, y a eu la vie euh, inutéro et puis il euh, y a la vraie vie. Et cette œuvre va, va trouver acquéreur, elle va vivre une nouvelle vie, trouver sa place dans le monde, dans notre monde, dans le monde de quelqu'un. Et l'autre instant magique, c'est quand cette œuvre est habillée, encadrée, et que tu viens euh, l'accrocher à ton mur pour qu'elle fasse euh, pleinement partie de ta vie.